si nous considérons que l'Azerbaïdjan, c'est un pays de l'Europe. Si l'Azerbaïdjan est un pays de l'Europe, on doit faire tout ce qu'on peut faire pour rester en Europe. Le deuxième, c'est le dialogue. Je ne peux dire jamais que tous les autoritaires de ce pays ont refusé, on ne veut pas parler avec nous, on ne veut pas construire une feuille de parcours. Je ne peux dire jamais. Mais le plus dangereux dans notre activité, c'est la situation que les autorités sont très amables, mais les résultats, ce n'est pas de même façon. Ça, c'est le plus dangereux. Je préfère d'avoir des interlocuteurs qui ne sont pas très amables, mais quand on dit qu'on fait ça, on fait ça. Ça, c'est la situation. C'est une question de petits pieds, de petits pieds. Si on fait de pression, parce que nous ne sommes pas des jugeurs, nous ne sommes pas des juges. Moi et Stéphane Chénard, nous ne sommes pas des juges d'Azerbaïdjan. Qui sommes-nous? Nous sommes des collègues, d'amis qui veulent aider, qui veulent faire beaucoup de choses pour avoir un parcours en bon sens. Mais si je veux faire une pression qui est tout forte, très forte, toutes les autorités disent qui êtes-vous? Et toujours ici, il y a un chantage, vous connaissez. Le premier chantage a été avec la Russie. Le deuxième, c'est avec la Turquie. Je ne veux pas le troisième chantage. Je veux tout le pays de faire un équilibre entre ce que nous voulons et ce qu'il veut faire, il doit faire. Et pour ça, je dis que dialogue, c'est la clé de toutes les actions de cette organisation. Cette organisation ne peut pas prendre d'autres mesures, seulement le dialogue.